Ok. Et donc le premier, je me pose la question, c'est le générateur de champ magnétique. Ah oui, là, le PC, il en peut plus. Il peut pas défiler la page. Bon, ça me laisse le temps de la lire, hein, tu me diras, mais... Ah, c'est bon. Tac. Et c'est dans la façonneuse. Donc, s'il en produit, c'est que je vais faire un raccord au niveau de l'entrepôt. S'il en produit pas, bah, plus qu'à savoir pourquoi. Ah oui, tiens. Tant que j'y suis. Que la lumière soit. Alors, c'est quoi? Ah non? Non, c'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que ça éclaire que le sol et pas le. C'est bizarre. Ouais, c'est mieux normalement. Parce que vu comme ça, t'apprends que tout est éteint. Je monte pas trop vite par contre. Oh bah! Et ça produit! Ah, c'est très lent par contre. Hein. Mais ça produit. Les trois produisent donc ça veut dire que. J'aurais regardé au niveau de l'entrepôt. Mais c'est vrai que c'est extrêmement lent que. Ça sature le circuit. Ah bah t'en fous. Mais une fois que c'est saturé parce que de toute façon, il n'y a aucun consommateur dessus. Ok, on va regarder côté de l'entrepôt si ça commence à arriver. On va finir par y arriver tout ça. C'est vrai qu'aussi avec le dédié. Enfin, je sais pas si ça fait comme Minecraft, si ça va continuer à tourner ou pas. Minecraft, ça tournait uniquement quand il y avait des personnes dessus. Empyrion aussi. Là, c'est la. Ah non, Ça c'est. dépend, c'est un système de chunk, mais Empyrion, c'était encore différent. C'est que la session, enfin, l'instant s'est coupé, mais quand tu retournes dessus, il recalcule tout d'un coup de ce qui s'est passé depuis que le serveur est on. ouais, instance égale planète, hein. Ouais. Oui, c'est encore un autre système. Est-ce que ça coupe complètement? Est-ce que ça coupe mais ça recalcule une fois que tu reviens? Ou ça calcule, ça s'arrête jamais? Du coup, non, je vais plutôt regarder côté entrepôt. Et c'est censé être pour. Ah, ils sont même pas encore. Okay. Système directeur d'assemblage. Ah, si, je peux essayer de deviner. C'est 3 avant. Ah! 4000 modulaires fusionnés. Pas prêt d'en avoir. Générateur de champ magnétique. Ok. Donc il n'arrive pas pour l'instant. Est-ce que je suis mort ou pas? Il avait pas chargé cette partie de la map? Oh, je pense pas. C'est vrai que pour monter, c'est pas simple. Il m'embête vraiment ce truc-là.
Oh. Plus qu'on enlève le poteau central au final. Bah, pour monter, c'est une catastrophe. Elle a 4 à 10. C'est lui. C'est dans quel sens que ça marche? Donc effectivement, ça va être compliqué. Normalement, je devrais en avoir au bout d'un moment. J'espère. Ah, si, je crois que je les vois. Il y a du verre au bout. C'est ça. Ok, bon, il y a encore du boulot avant que ça arrive à la saturation convenue. Mais ça avance. Bon, bah, je vais m'attaquer aux fusées du coup. Ouais, il y en a deux qui arrivent là. Est-ce que les fusées sont en cours de saturation ou il y a un problème de production? Passons aussi. Ah, j'ai vu le bug, je pense que mes mains sont. Voilà. Avec ou sans micro? Avec micro. Ah oui. Ah, je te fais la guerre avec les perturbes. Bah, je lag de base énormément, mais. T'es dans quel bâtiment là? Dans Je fais le. façonneuse. Ah, j'ai dépassé là. Ok. Ils ont pas de moteur modulaire. Ils ont pas de moteur modulaire. Par contre, ils sont uniquement faits pour lui. Il doit avoir nos problèmes. Là. Ah non. Si, le premier en jaune. Manque de plaquage intelligent. Ok. Ils sont aussi uniquement faits pour lui. Oui, mais les plaquages intelligents, c'est fait à l'assembleuse, on peut toujours chercher ici. J'adore calculer.
Je dis, oh, ça doit être ça. Bah non, c'est jamais ça. Ah bah, oui. Oh, une caisse. D'argent? Non. Des charges. Il y a des lingots dedans d'acier. Et... Plaquage intelligent, c'est parti. Oui, voilà. Non, je suis chez constructeur. Qu'est-ce que je fous là? Ah, j'adore rentrer dans le mauvais bâtiment. Avec le gros logo à l'extérieur du bâtiment. Ah, j'ai vu, j'ai pas vu. Même. Voilà. De toute façon, j'avais tout faux, j'ai même pas regardé ça. Ok. Ok. Au repos. Ah! Ah! Oh! Un côté saturé, un côté qui en manque? Ok. Où est le mauvais raccord? Plaquage intelligent, c'est le 3-17. Non, je suis dans le 5 là. Aïe. 17, c'est moins 3. Il est là. Que l'on voit bien, c'est plaquage. Ok. Et c'était qui en manquait? Moteur modulaire dans la façonneuse. Allez, après. Vous allez là. Ah zut, je vais garder à ma hauteur. Ok, c'est toi qui m'inquiète. Ah! Ok, ça c'est pas bon signe. C'est un problème de raccord interne? Il va pas être simple celui-là. J'arrive même pas à passer comme ça. Comment je vais me débrouiller? Peut-être en repartant de l'autre côté, ça serait plus simple. Oui, d'ailleurs. Bien que mes mains reviennent à l'endroit voulu. Voilà. Ouais, c'est bizarre. Que si. Ah, si, je les vois ici. Voilà. Bon, là. Et. Merde. J'ai mal vu là-haut? Tout à l'heure? Ouais, puis avec le bug d'affichage. Du coup, c'est étage en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont là les plaquages intelligents? J'aurais dû regarder derrière la machine avant de faire le tour. Ah oui, d'accord, ok. Elle est pas mal celle-là. Il est pas centré. De toute façon, ce que j'ai. Là, les dernières tâches que j'ai fait. Tu te rappelles pas qu'il y avait un problème au moment où il y a certaines ont été refaites? Et lui il a reçu les plaques. Et lui il a reçu les plaques, ok.
Tout comme les connexions des 5 dernières, j'essaie bien de checker. Logiquement, ouais. Enfin, ouais. Ça peut changer, évidemment. Hop, voilà, donc on a eu un problème à un moment et c'est ça, tout simplement, qui a tout bloqué. Ah, c'est débile comme panne quand même, mais donc il repart pour construire des moteurs modulaires. Qui va refaire toute la ligne. En naviguant tout à l'heure, j'ai vu une panne qui. J'ai vu qu'il n'y avait plus de soufre. Oh. Est-ce que Mister Tracteur est en panne? Ouais. Ah non, il bouge. Voilà. Ah, pas assez de soufre, peut-être. Non, c'est pour la poudre. On utilise beaucoup de soufre. Ok, et là, on est à 187% du soufre, effectivement. Ah oui, puis j'avais un problème avec le tracteur qui restait pas longtemps. À cause du poison, ça m'avait gêné tout ça. C'est pour charbon, poudre et acide sulfurique. Ah oui. Bah non, il y a du sou. Ah, c'est un autre problème. Ok, dans quel bâtiment j'étais tout à l'heure? La poudre noire. Où c'est qu'on fait la poudre noire? Je crois que c'est lui que quand j'ai passé et que j'ai vu qu'il y a un problème. L'assembleuse. Oui, c'est dans l'assembleuse qu'on fait les plaques. On va finir par y arriver pour corriger toutes les bugs. Ok. De toute façon, ça sert à rien que je. Lui, il manque de tuyaux. En même temps, il y a du soufre. Oui, non, mais c'est pas lui. Bon. Lui, il a pas de soufre. Et il y a du soufre derrière, donc c'est juste un bug d'échange, je pense. Il y a un charbon compacté dedans. C'est juste pour hasard que, en fait, vu que j'appuie sur le premier. Ok, donc il n'y a pas de problème de soufre. Du coup, je vais éteindre les 4 centrales nucléaires. Et faire un tour. Voir comment se comporte. Ou se porte, tout simplement. L'usine de recyclage. Du coup, il va me falloir des filtres. Ils sont tout petits, ils sont cachés. Et la tenue. Un smat parce que
La zone est irradiée dès le début. Pas qu'on a mis pour la zone nucléaire, je crois. Si je pars sur la gauche, c'est que c'est ça. Oui. Elles étaient pas boostées. Non. Ça permet aussi de d'enlever la consommation des éléments, tu sais, comme les poutres et tout, qu'on a envoyé à la centrale. Ah oui. Ça, tu les avais pas pris en compte dans ton fichier. C'est exact. C'est le plus simple. Bah, est-ce qu'on la démonte pas entièrement du coup? Je le laisserai comme ça. On ne sait jamais, t'as une petite centrale de secours. Je sais pas. J'aime bien le principe de garder une petite centrale de secours. Et vu qu'elle sera éteinte, du coup, elle consommera pas. Donc, elles feront pas des mauvais calculs sur. Oui. Oh la vache, ça que le retour, il était très puissant. Ça ne doit pas être irradié. Donc, on se dépêche de partir. Ouais, c'est ça. Et du coup, je retourne directement dans l'autre zone. Non plus. Voilà.
Ok. Ok. J'en ai une qui est à l'arrêt. Il manque un cube de conversion de pression. Ok. Et il n'y a pas l'air d'avoir de soucis sur le cube de conversion de pression. Ah, lui il s'est arrêté. Il a repris. Je pense que c'est une unité de contrôle radio qui te manquait. Bon, c'est un petit ralentissement sur contrôle radio. Il a pas assez de caoutchouc. Bon bah voilà. Hein. Je pense qu'on a vite. Je vais directement en raffinerie. Alors, manque de pétrole ou saturation? Du fluide pétrole lourd. Aucun des deux. Où je vole là par contre. C'est lui qui s'est arrêté là-bas. C'est quoi ton souci toi? Tu manques de pétrole. Voilà. J'ai de pétrole maintenant. J'ai de pétrole, oui. Bah oui, maintenant que tout est équilibré. Ouais, ouais. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à l'arrêt à cause du pétrole. Regarde les drones. Il y en a qui est là. Ça bouge. Ça bouge. Ça, sans doute, ça va sans doute repartir. 2 à l'arrêt, 3 à l'arrêt. 2. 1, 2. Ouais, ils arrivent pas à être. Ça se coupe et ça repart quoi. Elle est à la première, elle est à combien en pétrole? Oh, une raffinerie. Hein. Ouais. 4,6. Bah, 2,5 sur 3, elle est à l'arrêt pour l'instant. Ouais. 2,6. 3,1, c'est bon. 0. Thank you.
Elles ont pas l'air surbookées, les machines. Hein. Non, c'est le système qui est pas bon. Hein. J'ai déjà. J'ai déjà réfléchi à refaire. Parce que le souci, c'est que là, j'envoie des packages. Mmh. Mais les séparateurs, tu vois, ça. J'en vois pas au 10. Là, en plus, j'en ai mis 20 alors qu'il en fallait que 10. Hein. J'en vois pas au 20 de façon homogène. Ah oui! Regarde les premiers. Les premiers doivent être. Ouais, 40. 70. C'est en train d'arriver en plus. Ah bah, elle est pas raccordée. Je me disais, pourquoi il y en a une au milieu qui. Qui avait pas envie d'en prendre. Non, ça, c'est vrai, ça va pas changer grand chose. Oui, ça va pas changer grand chose. Parce que, ouais, la première en prend trop en fait. Faut que je trouve un système compact de distribution homogène. Ce sera plus chiant de le faire dans le bâtiment, dans l'immeuble. Oui, parce que là t'as de la place ici. Mais comme j'ai fait une erreur de calcul en en mettant 20 packages alors qu'il en fallait que 10, ouais, ça fera un peu plus de place. Oui, du coup oui. Mais oui, ce sera le prochain truc que je vais bosser là. Plus cher. Bon, bah on a la réponse de ce côté là. Cube de conversion de pression, bah c'est fait ça. Wow. Quand le son se coupe, j'ai l'impression que j'ai planté. Oui, mais c'est pas bon. Ok. Sur quoi que je vais me lancer à cette heure-là? Ah oui, c'est vrai. Tu sais pas quoi faire, tu peux venir à mon côté. Là. Tu fais quoi de beau, toi? Hein? Tu fais quoi de beau? L'extension. Je monte les convoyeurs dans l'extension de. Ah oui. Thank you.
c'est normalement la partie immeuble de... est terminée. Donc c'est... il ne reste plus que la partie extension. Tant que j'y pense, je vais faire la modif, pas très longue, du résidu de pétrole. Forcément, je ne peux pas monter. La 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 la. Je sais pas pourquoi il est si complexe à prendre celui-là. À calculer pour mon PC. Il faut que je le branche. C'est là qu'il fabrique la coupe de pétrole. Qui doit être une raffinerie, j'imagine. Sur le tuyau précédent. Ouais, tu peux le faire. Raffinerie. Je peux en connecter ça. Voilà, un petit bug. J'ai mis une trappe en dessous, c'est bon ça. Aïe, ah, ça fait mal quand même. Ouf. Bobo. En rebondissant sur le truc. Oui. Wow. C'est pas normal ça. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça fait mal. Sauvegarde. Ok. Merde, c'est pas ça que je vais faire. J'aimerais bien terminer ce soir quand même l'extension. Bon, après, ce qui est jouable, hein. Je peux laisser mon PC lui, hein. J'aurais peut-être aller 30 minutes, je pense. 30 minutes en comptant le majeur en connexion. Allez, 20 minutes plus temps de connexion. Non, sur le T, j'ai fait les murs. Là, je suis en train de monter les convoyeurs, en fait. Donc c'est 5 fois 5. Imagine, ça fait tout le long. Oui, bah oui. J'ai sûrement un aller-retour à faire pour récupérer des plaques. Du coup, le stock de côté qu'on avait de plaques, ils font comme neige. Il reste plus que deux caisses. Mais on avait relancé la production de plaques, je crois. Oui. Faut que je sorte dans mon convoyeur. Et tant que ça se reconnecte, je reviens. Mmh. Du coup, je peux lancer le calcul. C'est lui qui fait la coupe de pétrole. Et du coup, il va être branché sur celui-là d'en dessous. Merde, zut.
Voilà. De ce côté-là, c'est pas un souci. Et ensuite... Où c'est qui a été fait le raccord? Soit la poubelle, soit l'entrepôt. Sur le côté. Non, c'était pas ici que j'avais fait le raccord du coup. Bon, c'était un travaux. Je passe sur la bonne touche pour avancer. Bah non, j'ai pas regardé ici non plus. Bizarre ça. Ah oui, il est raccordé derrière. Ok, effectivement. Bon, du coup, il est autonome. Faire yo-yo tout le temps de toute façon. Oui, parce que le réseau est vidé continuellement. Vu qu'on peut difficilement faire un système de surplus sur le fluide. Ok. Du coup, j'ai rebranché ça ici. Venir là-dessus. Ok. Bon. De toute façon, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui. Ok. Oui, c'est bien chiant ça. C'est bon, je vais arriver à avoir ma fenêtre. Alors, De toute
façon, qu'est-ce que c'est? Le prochain stream, ça va être compliqué sur Satisfactory parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisation à faire, d'équilibrage de production, donc c'est pas ouf. Qui va permettre de produire ce qu'il faut pour l'ascenseur orbital. Donc ça va se faire avec. Terminer le réseau électrique extérieur de la base. Et supprimer les caisses de la map. Pour dire que c'est pas ouf hein, ce qui reste. Il reste un stream, quoi, juste pour l'envoi du dernier élément, quoi, l'ascenseur orbital. Ouais. Et puis il est pas prêt encore d'arriver celui-là. J'ai pas regardé combien de ressources il faut encore pour l'ascenseur orbital, mais qui va me décoller dessus. J'y arrive. Sur l'ascenseur orbital, il nous manque 3000 directeurs d'assemblage, donc encore pas mal. 2000 générateurs de champ magnétique. Ah, plus beaucoup de fusées de propulsion thermique, même si on ne les fabrique plus. Et surtout 1000 pattes nucléaires. Donc, et je ne pense pas qu'on commence à fabriquer les pattes nucléaires. Comment regarder, hein? Voilà, et c'est plus le tourner. Ouais, je peux pas laisser PC tourner sans qu'on risque la saturation électrique du déchet nucléaire. Ouf, on a quand même un stockage, hein. Et la marge, elle est très... Ah, si, 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 ça tourne. Il y a quelques-uns qui sortent, hein. Ah, oui.